Hey, salut à tous, c'est Ranneo, on se retrouve exactement au même endroit, on est reparti. Je pense que cette fois-ci en réactivant le mécanisme, nous allons monter. Même s'il semblerait qu'on ait des copains pour nous. Tiens, give me your soul, give me your life, bro. Ah. À toi. Oh, t'es le dernier sur la liste. Au revoir. Comme quoi, j'aurais dû garder ce coffre. Mais bref. Je ne suis pas devin, donc je ne pouvais pas savoir. On continue. Les donjons dans ce jeu sont extrêmement longs, je trouve. Mmh. Extrêmement long, donc je disais. On a deux salles. Ce n'est pas une salle, ça. Ah si. Bon, là-dedans, il y a deux coffres. Ouais. Bon, ok. Ah oui, il y a un artefact, donc on va aller le chercher. Toi, c'est pas au bon endroit, tu sais. Allez, ciao. Merci d'être venu. Hey, mais je l'ai vu l'artefact. Yes. Soldat. Comme une impression de déjà vu. Ah bah oui, ça me permet de remonter là-haut. Oh merde, donc du coup je suis obligé d'aller voir les autres là. Ah là là, dur. Bon. J'avais dire que j'ai pas le choix. Bijour. C'est moi. Tu es idiot de dire que je suis mort alors qu'on n'a pas encore commencé à se battre. Oh l'épée. Hey. Excuse-moi, mais je dois te tuer. Salut. Je sais pourquoi, comme ça, ça me paraît plus facile. Eh bien. Hé, t'es à poil. T'es mort. Adieu. Vas-y. Prépare-toi à me cracher dessus, vas-y. Salut.
Oh, j'ai même pas besoin d'exécuter. Il s'est tué tout seul. Enfin, je l'ai tué tout seul. Oui, donc je voulais récupérer ça au départ. Au départ. Là. Gen! Et ça recommence. Ah putain. Putain, je rêve. Premier game over. Putain. Ah ouais, je recommence là. Ouais, enfin là j'ai toute ma vie quand même. Ah, hey. Allez, adieu. Adieu. Boum. Boum. Et... Boum. Ça commence mal pour vous, hein. Regarde. Je dis que ça commence mal. Hey! Adieu. Et donc c'est là où je me sens... C'est là où ça devient rigolo, c'est ça? Bam. Ok, il faut d'abord que je prenne l'épée. Tu sais, ils vous disent, ah ouais, ouais, t'inquiète, t'es tranquille, et puis là, boum. Ah putain, mais à deux c'est pas du jeu quoi. Oh là là. Ah. Adieu. Anna, toi. Oh putain. Allez, see ya.
Bon. Et encore une fois, je suis dans la merde. Parce que je suis bas en vie. Casse-couille, casse-couille, casse-couille. Mais jamais j'y arriverai. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris d'y aller? Jamais j'aurais réussi à atteindre quoi. Qu'est-ce qui est là-bas? Ça par contre c'est une question qui me... Heureusement ça me donne pas d'accès encore. Peut-être il faudra que je revienne, même si j'ai pas vraiment envie de revenir. Oh là là, mais t'es sérieux? Et je... Rien. Non, non, mais rien. Eh! Putain, il s'accrochait pas en plus, c'est l'enfoiré. Ah oui, là, il faut que je fasse le tour. Il n'y a aucun ennemi qui repop ici. Are you fucking serious? Bon, bah apparemment, ils ont été sympas avec moi. Allez, hop, ouvre. Madame, madame! Ça a été compliqué, mais... J'ai votre épée, j'ai votre épée. Tiens, cadeau. Non mais c'est vraiment pas cool. On me surnomme Kerr. Et je suis là pour vous casser la gueule. Je vais voir ce qu'il y a là-haut. Du coup maintenant j'ai une arme pour aller casser la gueule à l'autre saloperie. Tiens! Hey! Bam! Morceau d'armure abyssale. Pour compléter l'ensemble. Morceau de l'armure des abîmes forgé par. Ah! Je sais pas à quoi ça correspond, mais. Ah, des coffres! Noyau de courroux. Yeah! Tadam! Putain, c'était cool, j'ai bien fait de venir ici. Oh les bâtards. Quelle bande d'enfoirés. Bon. Vu que c'est le truc qui mène au boss, je suis dans la merde. Mais... Vraiment dans la merde. Vu ma vie. J'ai pas réellement droit à l'erreur quoi. Bang, tchang, tchang. Le conseil a-t-il réduit les cavaliers en de simples assassins? Ou est-ce que Samael a acheté ta loyauté? Parce que si tu es un cavalier, nous pouvons être
Ce n'est pas ce que j'ai prévu. Salut! Ouais, fait moi je veux bien, mais quand tu commences avec 2 HP. Merci, je préfère ça. On peut pas passer, bordel. On a compris, Tiamat, machin, je dois récupérer son cœur. Tu considérais mon œuvre. Quel dommage. Salut. Ouais, fin, la bombe que t'avais sur la patte, t'en as fait quoi? Oh là là. Salut. Oh putain! Ouh là là! Tu m'as l'air moyennement sympathique quand même. C'est pas que je refuse ton hospitalité, mais... Dans le style sympathique... Eh voilà quoi. Tiens! Boum! T'as beau être gros, je suis quand même de la force. Tu sais que tu as crevé à force de prendre des mouvements, hein. Hein, tu sais que tu vas crever à force de prendre des mouvements, hein? Hein, que tu vas crever? Tu vois, si j'ai à sa distance, tu fais quoi? Tu fais rien, t'es inutile. Et même quand tu me fonces dessus, je te mets tellement cher que tu recules. Alors on va tester un truc.
T'es content, t'as réussi ton coup? Boum! Eh, ça me bat les couilles. Tu te fais du mal. Boum. Encore? Tu n'as pas pris assez dans la gueule? Regarde, je t'en envoie un autre. Ah ouais, fait mal quand même. Donc on va rester à distance, tranquille, on va la tuer comme ça. La 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 la. Ce serait cool que là on ait une barre de vie quoi, qu'on puisse voir à peu près à combien on est. Ça dure un peu à mon goût. Tu cours en bas, je me tiens suffisamment éloigné de toi pour pas que tu me fasses de dégâts. Allez, tiens, un ourang, c'est gratuit. Eh, tiens, un autre. T'as un peu de manquer d'énergie quand même. Ouais, je sais, je suis désolé, c'est pas très passionnant à regarder, mais... Et au moins, ouais, elle va flancher. Bien. Boum, allez, encore. Bam. Allez. Recule. Prends ça. Tu comprends pas? Tiens! Boum! C'était pour donner de l'espoir, le coup gratuit. Peux-tu rétablir l'équilibre? Pas étonnant que Samael réclame ses
regorge de puissance. Tu crois vraiment qu'il te laissera vivre assez longtemps pour arriver à tes fins? Oh yeah. Donc voilà. Tiamat est mort. Te. J'ai vu qu'elle avait des seins, donc on va y rendre. Tragique. Sans l'aide de ton ami à plumes, comment vas-tu t'échapper de cette prison de pierre? Je trouverai un chemin. Tu as sans aucun doute fait tes preuves. Tu es plein de ressources. Peut-être puis-je t'indiquer un chemin plus rapide? Parle clairement, démon. L'antre des serpents. Des chemins anciens qui s'immiscent dans les confins de ce monde mort et au-delà. Je les emprunte pour me déplacer et moyennant paiement, tu le pourras aussi. Que veux-tu, Vulgrim? Une bagatelle, vraiment. Le cœur de Tiamat, j'ai senti sa puissance dès le moment où tu es sorti de cette tour. Tu me blesses, cavalier. Jamais je ne m'interposerai entre toi, ton ami Samael. Non, mon seul souhait est de poser mes yeux sur le cœur. Un regard et notre pacte est scellé. Samael sera ravi. L'antre des serpents est tienne, cavalier. Viens vers moi quand tu désires l'utiliser. Il est bien cool. Avant, j'aimerais te faire quelques emplettes, n'est-ce pas? J'ai un paquet d'âmes. Ce bon vieux Vulgrim a quelque chose pour toi. Consume les ennemis d'une manière ardente de feu. Tu es tout aussi sage que puissant. Ce bon vieux Vulgrim a quelque chose pour toi. Tu cherches bien trop à négocier, l'ami. Voilà. Ça, ça. Et c'est tout. Affliction est bloquée. Bon, ben voilà. On va aller voir notre cher Samael et je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Wait! Ah! Ça se refait quand même sous mes pieds. C'est pas un truc d'enfoiré. Wow! J'étais trop occupé à regarder le paysage, excusez-moi. Parfait.
Ah, attendez. Merde. Attends-toi. Bim! Là, il faudrait m'y téléporter plus près quand même. Hein. Vivement que je débloque, foutre une attaque quand je charge, que je fais ça. Fla fla! Comme au début du jeu, quoi. Ouais, je l'ai pas encore débloqué, bientôt, mais. Samael là-bas qu'on voit. Non, c'est pas lui. Ah oui, puisqu'il est retourné dans sa prison la dernière fois, je me souviens. J'imagine qu'elle a dû souffrir. Passez à mon cou. Magnifique! Le deuxième gardien, la Mantoptée, évolue dans des tunnels situés sous cet endroit. Mais d'abord, il y a un obstacle qui doit être éliminé. Ulvan, un des anciens. Il n'en a jamais été question. Tu manques déjà à ta parole, Samael? Silence, Vermin! Je traite avec le cavalier. Ultan n'est pas du côté du destructeur. Mais pour trouver la Mantoptée, tu dois te mesurer au marteau noir. Et pour ça, tu auras besoin de forces que tu ne possèdes pas. Pas encore. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe, Samael? Dis-lui, Gator. Comment tu étouffes la vraie puissance du cavalier afin de le tenir à la merci du conseil? Détruis ce parasite. Si tu oses me toucher, le conseil t'éliminera, vous deux d'ailleurs! Je suis sous sa protection! Pas ici! Dégaire! Cavalier du cheval rouge! Et non pas la martelette de cette créature si pathétique! Guerre, je vais te faire souffrir! On sent que ton courroux, une grande colère bouillonne en toi, sur le point d'éclater. Tu dois la libérer, ou une marionnette, tu resteras. Peut-être brisé, mais sa puissance se trouve toujours en lui. Pendant un moment, j'ai vu quelqu'un qui pouvait affronter seul l'armée entière du destructeur. Ciao Samael. Forme chaos. Kerr peut se mettre en tête de pouvoir du chaos et dessiner des ennemis. Pourquoi Samael nous fait perdre notre temps avec cette histoire de marteau noir? Il doit y avoir une raison. Je suis plus ton esclave. T'es deg, hein? Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour la suite de Darksiders. Attendez, je vous quitte avec classe. Ciao les gens.